Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du 12 décembre. Bienvenue aussi aux gens qui nous suivent sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un moment particulier. Vous allez voir peut-être deux vidéos différentes sur la page Facebook de la Ville parce qu'on avait une séance extraordinaire qui nous présentait ou en laquelle on présentait le budget 2024. Et là, c'est la séance ordinaire, notre séance régulière mensuelle pour la Ville de l'Assomption. Alors, on débute encore une fois avec différentes actualités. Au niveau du marché de Noël, je vous rappelle que ça se tient jusqu'au 23 décembre. C'est encore une fois cette année merveilleuse, on peut se le dire. C'est de très belles fréquentations aussi, beaucoup de visiteurs cette année. On parle même peut-être d'une édition record. Il y a aussi le Père Noël qui est présent sur place, maintenant tous les samedis et dimanches. Alors, je vous invite à en profiter. Puis en plus, chez nous, c'est le vrai Père Noël. Alors, venez sur la place Carl Tremblay, la place publique, pour venir en profiter. Je vous rappelle aussi, je vais vous parler de récupération des sapins alors que Noël n'est pas encore... Et pas encore arrivé, mais quand même, il faut le prévenir. Donc, vous savez qu'on s'associe au Cégep avec le Club Business, qui est une association d'entrepreneurs et étudiants au Cégep régional de la Lanaudière de l'Assomption et qui offre la récupération de sapins naturels. La Ville de l'Assomption les supporte à cet effet en fournissant des équipements. Alors, ce club-là vous invite à les appeler, à prendre rendez-vous pour qu'une fois Noël passé, bien, ils vont passer récupérer vos sapins naturels. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces sapins-là, on va récupérer les matériaux pour faire des huiles, des choses comme ça. Alors, ça vient financer des étudiants du Cégep dans un beau projet d'affaires. Puis en plus, c'est un beau dossier environnemental. Je vous rappelle le numéro pour vous inscrire, 450-470-0922. Au poste 3151. Vous pouvez aussi le faire par courriel à le.biz@gmail.com. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Les activités hivernales vont débuter bientôt, avec le contexte météorologique, on ne peut pas vous dire de façon précise quelle date ça va commencer, mais je vous invite à rester branché sur la page Facebook ou le site de la Ville pour prendre les informations. Vous avez pu voir qu'on a soufflé de la neige dans les derniers jours, puis on n'a pas étendu la neige pour ne pas la perdre avec les pluies. Alors, dès que la température va le permettre, bon, on va étendre la neige puis ouvrir nos pistes à glisser, tant à Saint-Gérard que dans le secteur de Robert Duguay. On va avoir des pistes de ski de fond qui vont être plus grandes de 1,7 km cette année. Devant la fréquentation qu'on a connue, bon, on a augmenté ce service-là. Puis, il va y avoir trois pistes, une à côté de l'autre. Il y en aura une pour le fat bike, une pour la marche et aussi une pour la raquette. Le départ se fera à Robert Duguay. Et ce soir, on va faire une demande de subvention pour avoir des patins et des raquettes en location gratuite pour nos citoyens qui voudront profiter de nos installations sportives. La programmation d'hiver est aussi débutée. On vous invite à vous inscrire. Dans le fond, c'est pour toutes les activités qui commencent en janvier 2024. Allez sur le site web. Toutes les activités, les cours, les formations, les regroupements sont disponibles et vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Ce soir, on va officialiser, vous savez qu'on a perdu un citoyen important pendant le mois de novembre. Je pense à M. Carl Tremblay, qui est un ami personnel aussi. Et on s'est engagé, la Ville, à nommer la place publique, la place Carl Tremblay. Ce soir, on va entériner par une résolution officielle et dès demain matin, cette place sera officiellement en honneur de Carl. Je vais vous faire une petite mise à jour sur nos chantiers. On reçoit beaucoup de commentaires comme quoi qu'il y avait beaucoup de chantiers cet automne. Effectivement, on a fait beaucoup de rénovations, beaucoup de réparations, parfois des travaux qui étaient essentiels, d'autres fois qu'on se disait bien, faudrait bien les faire un jour, puis on a décidé de le faire là. Alors, les travaux sur le rond-point du jour nord sont maintenant complétés. Il va nous rester une couche de pavage à faire au printemps prochain. Même chose pour les travaux sur le rang du bas de l'Assomption Sud. Alors, ce rang-là est maintenant accessible aux citoyens pour la circulation. Théoriquement, si la température va bien, ça devrait se terminer ce vendredi. Et ensuite, reprendre au printemps 2024 pour la dernière couche de pavage. Là-bas aussi, puis il va rester des petits travaux à faire. Alors, d'ici la fin de la semaine, si tout se passe bien, ces chantiers-là seront terminés. Et donc, on va refaciliter la circulation. Merci de votre collaboration à tous. On se plaint pendant des années quand ce n'est pas adéquat, quand les infrastructures ne sont pas adéquates. On se plaint quand on rénove, mais après ça, on est content pour plusieurs années et cette période-là s'en vient. Alors, voilà, de ce pas, je me dirige vers mon poste pour officialiser la séance du conseil.
vous assurer que ça tout roule rondement. Alors, en 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Ça sera proposé par M. Gendron, approuvé par M. Gagnon. Appuyé, pardon. En 1.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2023. Adoption avec une petite correction où on va venir modifier la résolution 2023-11-0531 en ajoutant des années 2020, les années 2024 à 26 pour, après le mot autorisation. Madame Ayotte et Monsieur Moreau. En 1.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2023 concernant le programme triennal d'immobilisation, le PTI. Ce sera proposé par Mme Mainville et Mme Renault. En 1.4, ce sera le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2023 pour adoption. Alors, pas de modification. Mme Martel, proposée. M. Moreau, de pied. En 1.5, procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2023 pour adoption. Alors, on a eu plusieurs séances dans les dernières semaines. Alors, M. Gendron, encore une fois, M. Gagnon, de pied. En 1.6, c'est les dépôts et rapports de documents, donc le rapport budgétaire au 30 novembre 2023, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 15 novembre 2023 et la registre de déclaration de dons pour l'année 2023. Madame Ayotte, vous proposez. M. Moreau, vous appuyez. 1.7, c'est la résolution 2023-10-0485, ajoutant un site visé pour un droit de préemption, modification. C'est une modification. En fait, ça va viser le 40 rue Lachigan. On avait juste fait une erreur dans le numéro de lot, alors on vient le préciser cette fois. Donc, on va remplacer le numéro de lot 6 202 342 par le numéro de lot 6 424 447. Alors, voilà, Mme Mainville et Mme Renault. En 1.8, calendrier des séances pour l'année 2024, c'est pour adoption. Alors, comme à l'habitude, on va garder nos séances du Conseil le deuxième mardi de chaque mois, à l'exception du 16 janvier, donc permettre le retour de nos, permettre à nos équipes d'être de retour et préparer les dossiers. En janvier, ça va se tenir le 16 janvier 2024, sinon toujours le deuxième mardi. Monsieur Moreau et Madame Ayotte. En 1.9, comité consultatif d'urbanisme, c'est des renouvellements de mandats. Alors, c'est des citoyens qui siègent sur le CCU. Alors, on renouvelle les mandats pour des périodes de 2 ans de Mme Nancy Melançon, Serge Talbot, ainsi que Nancy Desautels. Merci à ces citoyens de participer à notre comité d'urbanisme. Alors, comme c'est présidé par M. Gendron, vous proposez. Mme Ayotte, vous appuyez. 1.10, rapport d'audit de performance pour la Cour municipale. Donc, on prend acte du dépôt du rapport d'audit d'optimisation des processus de la Ville de l'Assomption sur le processus de perception des amendes à la Cour municipale pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Madame Renault, vous proposez. Monsieur Gagnon, vous appuyez. Ça va. En 2.1, règlement 300-58-2023, amendant le règlement de zonage 300-2015, c'est pour adoption du règlement. Alors, ça concerne particulièrement l'ajout d'une halte garderie dans le complexe universitaire de l'UQTR. Donc, c'est un nouveau service pour nos citoyens, tout en permettant la formation des éducateurs. Alors, Mme Ayotte, vous proposez. M. Moreau. En 2.2, règlement 041-7-2023, fixant le traitement du maire et des conseillers afin de modifier la rémunération relative aux commissions et au kilométrage. On est en deuxième lecture. On vous l'avait présenté à la dernière séance. Ce soir, on adopte le règlement. Alors, ça ne concerne pas la rémunération des salaires. Ça ne change pas les salaires, mais c'est vraiment la responsabilité des commissions. On est venu préciser nos commissions. Et donc, le président de chacune de ces commissions va passer de 3 000 à 5 000 $ pour le travail annuel. Le vice-président va passer de 750 à 2 500. Le président du CCU de 3 000 à 3 750. Puis, il y aura 61 sous du kilomètre. C'est un taux qu'on ajuste à tous les années pour les déplacements des élus à l'extérieur de la ville, non pas dans la ville. Alors, Mme Ayotte, vous proposez. M. Moreau, vous appuyez. 2.3, règlement 252-12-2023, amendant le règlement 252-2018, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de l'Assomption. C'est pour adoption du règlement. Alors, il n'y avait pas de modification, Mme Renault ainsi que Mme Mainville. En 2.4, règlement 081-34-2023, amendant le règlement 081-2009 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Alors, c'est les recommandations de notre comité de sécurité routière. On vient apporter des précisions sur les intersections Toupin et Payette au nord et au sud de Janson. Des no-parking, interdiction de stationnement, qu'on devrait marquer en français. Sur rue Arbois pour 2 bornes de recharge, interdiction de stationnement mardi et jeudi sur la rue Saint-Joachim de Saint-Étienne à la Rivière et des zones d'interdit d'arrêt rue Dupont entre le boulevard BDLS.
De la, OK, bas l'Assomption Sud. Bas de l'Assomption Sud, merci. Et Saint-Georges. Excuse-moi, je suis un jeu de devinette. D'accord. Madame Ayotte et Monsieur Moreau. 2.5, règlement 300-59-2023, mandat de règlement de zonage 300-2015. C'est un second projet de règlement. Alors, ça vient préciser les types de constructions qui seront permises et les règlements d'urbanisme par rapport aux constructions à venir sur la rue Meilleur, des terrains qui seront à vendre dès le mois de janvier. Alors, ça sera proposé par Mme Ayotte, c'est votre secteur. Monsieur Gendron, vous êtes là. En 2.6, règlement 156-33-2023, mandant le règlement 156-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, de certains secteurs. Alors, on adopte le règlement 156-33-2023, amendant le règlement 156-2008, qui vient modifier le secteur PIA numéro 31 de manière à ajouter des objectifs et critères concernant l'ajout d'usages complémentaires à la zone ACTEC. Et aussi d'ajouter le secteur PIA numéro 50 applicable à la zone H1-143 qui concerne le boulevard Meilleur, les terrains de l'ancienne école primaire Amédée-Marsan. Donc, on vient s'assurer qu'il y aura un respect de l'image actuelle du quartier. Alors, ça sera proposé encore une fois par Mme Ayotte. Mme Martel, vous appuyez. 2.7, règlement 299-07-2023, amendant le règlement 299-2015 relatif au plan d'urbanisme. C'est pour adoption de règlement. Alors, on vient modifier les affectations du programme particulier d'urbanisme de l'ERTA de l'Assomption afin d'ajouter une affectation commerciale ainsi que des usages complémentaires associés. Donc, il y a un projet d'épicerie dans le secteur ouest de la ville. Alors, ça vient permettre ce projet-là. Monsieur Moreau, c'est dans votre secteur, ainsi que Monsieur Gagnon, vous appuyez. En 2.8, c'est le règlement 054-4-2023, amendant le règlement 54-2022. Ça concerne la formation et le fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. Tantôt, j'ai nommé 3 membres pour les 2 prochaines années. Alors, on vient s'assurer que chaque membre du CCU aura une alternance aux 2 ans. Donc, il y en aura 3 à l'année paire et 3 à l'année impaire. Ça va nous permettre de s'assurer de toujours garder une certaine niveau de connaissance des dossiers, une certaine expérience pour la qualité de nos décisions. Alors, c'est l'avis de motion qui est donné par Mme Ayotte. En 2.9, règlement 304-07-2023, amendant le règlement numéro 304-2015 relatif à la construction. C'est un avis de motion qui sera donné par M. Moreau et adoption du projet de règlement. Alors, on adopte ce règlement. Ça vient modifier l'article 34 concernant les fondations autorisées pour l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel principal, ainsi que différentes règles par rapport à la plomberie, particulièrement le branchement entre la ville et les propriétés, des responsabilités des citoyens par rapport à ça, Mme Renault et Mme Mainville. 2.10, demande de prolongation auprès du ministère de la Culture et des Communications pour le programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. On avait reçu des sommes du gouvernement. On souhaite pouvoir les utiliser en 2024. À quoi ça sert cette demande de prolongation, Mme Ayotte et M. Gendron? En 2.11, établissement des droits réels par servitude pour des travaux municipaux. C'est une autorisation. Alors, ça concerne l'arrivée de la nouvelle école au bout de la rue Laurier. On va devoir faire des travaux de connexion des réseaux. Puis, on a besoin d'une servitude pour ce faire sur les lots 6 066 802 et 5 462 319. Et on autorise la signature par le maire et le greffier pour procéder à ces servitudes. Mme Renault et M. Gagnon. 2.12, entente pour le versement d'une aide financière, la Symphonia de la Lanaudière. Comme vous savez, c'est une orchestre professionnelle qui œuvre partout dans la Lanaudière, même à la Place des Arts maintenant. Et ils sont basés ici à l'Assomption. Alors, on accorde une aide financière de 2 500 $ pour les années 24, 25 et 26. M. Moreau, proposé. Et Mme Martel, vous appuyez. 2.13, c'est l'entretien des kiosques postaux et abribus pour les années 24 et 25 avec une option de renouvellement pour l'année 2026. Le contrat est attribué à la firme SK et Associés Incorporés pour la somme de 43 115 $ et 63. Taxes incluses, M. Gagnon, proposé. M. Gendron, vous appuyez. 2.14, protocole d'entente relatif auprès d'un terrain au club de golf Le Portage pour l'aménagement de sentiers de ski de fond et de fat bike. Alors, merci au club de golf Le Portage de nous donner accès à leur propriété. Alors, ça sera proposé par Mme Martel et M. Moreau. En 2.15, protocole d'entente relatif à l'entretien des sentiers de ski de fond et de fat bike. Cette fois, c'est avec le club de motoneige Bon Vivant qui vont assurer l'entretien des pistes pour que nos citoyens aient le maximum de plaisir et d'agrément. Alors, on va autoriser le versement d'une aide financière de 6 000 au club de motoneige Bon Vivant pour les travaux d'entretien tout l'hiver durant. Monsieur Gagnon, vous proposez. Madame Renault, vous appuyez.
2016, c'est une entente relative à l'utilisation des lots 3731-219 et 3731-503 à des fins récréatives, dans le même esprit que le club de golf Le Portage nous donne accès à ces terrains, qu'on a une entente avec le club de neige, de motoneige Bon Vivant pour l'entretien des pistes. Il y a aussi un propriétaire privé qui nous donne accès à la forêt qui est située entre l'étang ainsi que le club de golf Le Portage. C'est des sentiers qui sont très utilisés par nos citoyens, très appréciés. Alors, on remercie ce citoyen-là de nous donner accès. Une des modifications qu'il a demandé cette année, c'est d'avoir un meilleur contrôle sur l'accès des animaux domestiques sur sa terre. Alors, on va mettre en œuvre pour répondre aux demandes de ce citoyen-là. On remercie d'ailleurs d'avance nos citoyens pour leur contribution, leur collaboration, d'agir de façon responsable avec les animaux et de respecter le règlement municipal, tout simplement. Monsieur Moreau et Mme Ayotte. 2.17, autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancement d'appel d'offres. Cette fois, c'est pour des études géotechniques et environnementales des sites phase 1 et 2 pour le projet de divers développements domiciliaires, particulièrement dans le secteur de Saint-Gérard. Des travaux de réaménagement géométrique sur la route 343 entre le boulevard Turgeon et la rue Saint-Jean, dans le but des travaux qu'on souhaite faire l'été prochain, si enfin on est propriétaire de la route 343. Et libre de notre destinée, je me croise les doigts. Contrôle qualitatif des matériaux en chantier et études environnementales de sites de travaux d'aménagement d'une passerelle piétonne. Les travaux de stabilisation et réhabilitation du glissement de terrain situé en bordure du 145 rang du bas l'Assomption Sud. Et des montages de 53 paniers suspendus et achat de végétaux. Ça sera proposé par Mme Martel, appuyé par Mme Mayville. 2.18, travaux de stabilisation des talus situés entre le 891 et le 895 chemin du Golfe. On se souviendra qu'il y avait eu glissement de terrain à cet endroit. On est allé en appel d'offres. On a eu 17 soumissionnaires. C'est pratiquement un record dans les dernières années. L'entreprise gagnante est l'entreprise Monco Construction Incorporée pour la somme de 700 941,90. Alors, c'est tout de même une somme importante. Alors, ça sera proposé par Mme Renault et M. Gagnon, de pied. En 2019, fourniture de 3 bornes de recharge rapide de niveau 3. C'est un octroi de contrat. On a eu 2 soumissionnaires, l'entreprise gagnante est UAP Incorporée, pour la somme de 162 217,09. Je vous rappelle que c'est une dépense, mais que ces bornes de recharge ramènent des revenus à notre communauté aussi. Alors, ça va, au fil des ans, on va savoir le rentabiliser tout en rendant, en favorisant le transfert de l'essence vers l'électricité. Alors, Mme Ayotte, M. Moreau. 2.20, entente avec Hydro-Québec pour le prolongement de la ligne souterraine d'alimentation électrique, des travaux de réfection des infrastructures de la rue Laurier. C'est un contrat de gré à gré avec Hydro-Québec. C'est le projet I-78-590 au prix forfaitaire estimé de 72 468,56 taxes incluses. Monsieur Gagnon et Monsieur Gendron. En 2.21, des travaux de pavage et de rapiessage des rues années 2024 et 2025. C'est avec une option pour 2026. C'est un octroi de contrat. C'est le contrat que je vous parlais tantôt, qu'il y avait une augmentation majeure. On a eu cette fois 6 soumissionnaires pour les travaux des 3 prochaines années, des 2 à 3 prochaines années, ça sera notre décision. Et l'entreprise gagnante, c'est Pavage JD Incorporé pour la somme de 1 059 494,63. Alors, M. Moreau et Mme Martel. 2.22, c'est une adhésion au regroupement d'achat pour l'acquisition de véhicules légers pour l'année 2024. Alors, on s'inscrit avec plusieurs villes au centre d'acquisition gouvernementale du Québec. On informe de nos besoins et ces gens-là vont négocier en notre nom avec un très grand pouvoir d'achat, ce qui nous amène à payer moins cher. Alors, ça va être proposé par Mme Mayville, appuyé par Mme Renault. En 2.23, c'est un règlement 330-2023 décrétant un emprunt et une dépense de 12 300 000 $ en immobilisation sur le territoire de la ville de l'Assomption. Alors, c'est un avis de motion qui sera déposé par Mme Ayotte. Dans le fond, c'est comme ce qu'on appelle un règlement parapluie, c'est que tous les petits travaux qui sont prévus, on les regroupe dans un seul règlement d'emprunt et ça nous donne la liberté pour agir sans avoir à chaque fois à faire des résolutions pour des petits dossiers. Alors, Mme Mayville et Mme Renault. 2.24, règlement 226-2024 fixant les différents taux de taxes et compensations pour l'année 2024. L'avis de motion est donné par M. Gagnon, à l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance. Tout simplement, c'est fait. En 2.25, règlement 323-2023 décrétant un emprunt et une dépense de 22 900 000 $ pour des travaux de correction du drainage des bassins 4 et 5 du domaine Papin. C'est un avis de motion qui sera donné par M. Gagnon. C'est chez vous que ça se passe.
Dans le fond, vous connaissez ce dossier-là, puis vous n'avez peut-être entendu parler. Le domaine Papin est un vieux projet résidentiel qui, les infrastructures étaient... comportait certains défis. D'ailleurs, dans les grandes pluies de l'été passé, il y avait eu des inondations chez plusieurs de nos citoyens. Alors là, on va amorcer les grands travaux. Au total, c'est un projet de 45 millions sur 5 à 6 ans qui devront être réalisés dans ces travaux-là pour améliorer les infrastructures. On commence avec le domaine Papin pour les phases 1 et 2, pour les bassins numéro 4 et 5. Pour cette somme. Alors, bonne nouvelle pour nos citoyens qui vont subir des travaux, mais qu'après ça, auront une meilleure qualité de vie. Alors, M. Moreau et Mme Martel. 2,26, projet d'acquisition des lots 2,890,697, 2,890,699, 2,890,700, 2,890,702 et 2,890,703, c'est le rang de la presqu'île. C'est pour une autorisation de faire l'achat de ces lots dans le but de souscrire à une subvention de la communauté métropolitaine de Montréal qui va subventionner à 66% l'achat des terrains. On parle du golf, entre autres, qu'on va faire pour convertir en lieu de protection de la nature. Madame Renault et M. Moreau, c'est chez vous. 3.1, liste des paiements au 8 décembre 2023, c'est pour ratification. Alors, on autorise la liste des paiements d'une somme de 7 363 750 $ au 8 décembre. Donc, c'est les dépenses, les investissements qui ont été faits par la Ville en le mois de novembre. Alors, M. Gagnon et M. Gendron. 3.2, budget révisé en d'octobre 2023 de l'Office municipal d'habitation de l'Assomption. C'est pour dépôt et assomption. Et adoption. J'aime trop la ville. Madame Ayotte, M. Moreau. 3.3, contribution municipale provisoire 2024 sur la RFU, le transport collectif de la RTM. Notre contribution au transport cette année sera de 1,519,678 vers l'Autorité régionale des transports métropolitains. Alors, Mme Renault ainsi que M. Gagnon. 3.4, quote-part provisoire de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Pour les années 2024, alors on verse une somme de 436 404 $. Ça va être dans trois postes différents, entre autres une portion pour le logement social, entre autres pour des équipements métropolitains et entre autres pour les coûts de fonctionnement. Alors, ça sera proposé par M. Gendron et M. Gagnon. 3.5, demande de subvention au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales. Je vous ai parlé tantôt de patins, de raquettes et d'équipements pour nos citoyens. On demande cette subvention. Mme Martel, proposée. M. Moreau, vous appuyez. En 3.6, c'est prolongation d'une demande d'aide financière pour les travaux de réfection du rempoint du Jour Nord. Nos travaux vont se prolonger vers le printemps, donc on demande au gouvernement de prolonger la subvention. On ne veut pas perdre aucun dollar. Alors, Mme Martel et Mme Mainville. En 3.7, prolongation d'une demande d'aide financière, même chose que tantôt, mais cette fois pour le rang du bas de l'Assomption Sud. Ça sera proposé par M. Moreau et Mme Ayotte. En 3.8, services professionnels, plan de vie de surveillance, des travaux de réfection des infrastructures de la rue Forêt. On doit prolonger la période de surveillance supplémentaire. C'est relié à des pénalités contractuelles par rapport à l'entrepreneur. Donc, c'est une somme de 67 260 $ à la firme Groupe Civitas pour cette surveillance supplémentaire. Alors, M. Gagnon et Mme Mainville. En 3.9, c'est un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux avec EVEX Évolution et l'entreprise 9419-7449 Québec Inc. C'est pour une réception provisoire et partielle. On verse une somme totale de 78 655 $ et 72 répartis en deux montants vers ces deux entreprises. Alors, ce sera proposé par M. Moreau et Mme Ayotte. En 3.10, c'est des travaux de réparation de la cheminée de la Maison de la Culture. C'est une récession définitive et libération de la retenue contractuelle. On va verser la facture numéro 11-504 d'une somme de 574,78 $ à Construction MJD Incorporée. Monsieur Gagnon et Mme Mainville. En 3.11, c'est la conception, fourniture et construction d'une aire de jeux d'eau et de modules de jeux au parc écologique. C'est l'avenant numéro 1. On approuve une dépense supplémentaire d'une somme de 80 300 $, taxes incluses, à la firme L'Archevêque et Rivet. Mme Ayotte et M. Moreau. Oh, je vois le propos par Mme Mainville, c'est dans votre secteur, au lieu de M. Moreau. OK. 3.12, travaux de réfection des infrastructures de la rue Forêt, certificat de paiement numéro 8. C'est une libération après réception provisoire. Nous versons la somme de 199 399 et 67 $, taxes incluses, à Construction Genesis Incorporée. Alors, M. Moreau et Mme Ayotte.
3.13, c'est une demande de financement au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue. Donc, ça aussi, on parle de financement de l'acquisition du club de golf avec certains ajustements qu'on vient apporter. C'est quelque chose qu'on refait avec certains ajustements. Alors, M. Moreau et Mme Martel. 4.1, c'est l'achat de matériaux granulaires. C'est une autorisation de paiement d'une somme de 30 308,69 taxes incluses à l'entreprise Beauval Incorporée pour les matériaux granulaires. Mme Ayotte et M. Moreau. 5.1, c'est décision et embauche et démission par délégation de notre directeur général. C'est pour dépôt et approbation. Alors, on approuve ces décisions. Alors, Mme Audrey et M. Gagnon, pardon. En 5.2, c'est la permanence pour le directeur général adjoint, services corporatifs et sécurité civile. Alors, je félicite et confirme la permanence de M. Marc-André Desjardins à titre de directeur général adjoint, services corporatifs et sécurité civile. Félicitations, M. Desjardins, de la part de nous tous. Et ça sera proposé par Mme Mayotte et M. Moreau. 5.3, cette fois, c'est la permanence du chef de division eau et assainissement. Nous félicitons et confirmons la permanence de Mme Marie-Claude Hurteau, qui est maintenant chef de division de l'eau et de l'assainissement. Alors, M. Gendron, vous avez fait la proposition. M. Gagnon, vous appuyez. Félicitations à Marie-Claude. Aussi, une permanence pour le contremaître au service des eaux et assainissement, cette fois de M. Martin Harrison, qui a terminé la période d'approbation, le confirme dans son poste. Félicitations à M. Harrison, donc Mme Martel et Mme Mainville. En 5.7, c'est la permanence de chef des opérations service de sécurité incendie qui est avec nous dans la salle ce soir. Alors, M. Gagné, félicitations à vous aussi. Merci de votre contribution à la protection de nos citoyens. Alors, ça sera proposé par M. Gagnon et M. Gendron. En 5.6, la prolongation de la période d'essai de l'employé numéro 01964. Alors, on va prolonger la période d'essai de 594 heures avant d'évaluer la permanence. Ça sera proposé par Mme Martel ainsi que Mme Audrey Renaud. En 5.7, c'est une lettre d'entente entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4667 et la Ville de l'Assomption. C'est pour autorisation de signature. On autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de l'Assomption cette lettre d'entente 2023-05 intervenue entre les parties précédemment mentionnées. Alors, ça sera proposé par M. Gagnon et M. Gendron. 5.8, c'est l'embauche d'un ingénieur municipal, division du génie, service à la communauté, aménagement du territoire et environnement. Et on félicite M. Marc-Antoine Alouin à titre d'ingénieur municipal à la division du génie. Donc, bienvenue parmi nous, Mme Ayotte et M. Moreau. 5.9, c'est la gestionnaire de projet, c'est une nomination. Alors, on nomme M. Jean-François Sénécal, qui était déjà au sein de notre organisation au service de l'urbanisme, qui est nommé chargé de projet. Comme vous savez, on a plusieurs dossiers en cours qui sont en voie de réalisation. Alors, ça nous prend les ressources pour les réaliser. Félicitations à M. Jean-François Sénécal, qui est avec nous depuis plusieurs années, qui fait un excellent travail. Alors, Mme Renaud et M. Gagnon. 5.10, c'est le renouvellement de la convention collective des policiers et policières de la Ville de l'Assomption. C'est pour autorisation de signature. Félicitations à notre chef, à notre comité de négociation, M. Bruno Marin. Alors, bravo pour ce beau travail. Merci à nos policiers, encore une fois, de leur implication au sein de la communauté. J'en profite pour saluer le travail de l'Ordre de la communauté. Encore une fois, c'est un beau succès qu'ils ont réalisé. C'est leur initiative et on salue ça bien, bien haut. Alors, M. Moreau et Mme Martel. 9.1, c'est les points de l'urbanisme. Je vais céder la parole à M. Gendron ainsi que Mme Ayotte, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, nous allons débuter avec le 50 rue Vadnais. Il est résolu d'accepter l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière équivalente à 1 % de la valeur totale des travaux soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux. Le 425-429 rue Saint-Pierre, il est résolu d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment telle que soumise par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière équivalente à 5 % de la valeur des travaux de construction soit exigée. Le 960 boulevard Jacques de Gé, il est résolu d'accepter l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière équivalente à 1 % de la valeur totale des travaux soit exigée. Le 1111 boulevard de l'Ange-Gardien Nord, local 102, il est résolu d'accepter l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment et une sur le poteau commun existant tel que soumis par le demandeur.
le 814 boulevard de l'Ange Gardien Nord, local 19. Il est résolu d'accepter l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment et une sur l'enseigne pylône existante telle que soumise par le demandeur. Le 151 rue des Épinettes, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale pour la création de deux lots distincts à des fins résidentielles et la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage attenant telle que soumise par le demandeur aux conditions suivantes: qu'une garantie financière équivalente à 5 % de la valeur totale des travaux soit exigée, que la contribution pour fin de parc soit versée en argent puisqu'il s'agit d'un projet de redéveloppement, et qu'un arbre indigène à moyen déploiement d'un diamètre d'au moins 6 cm mesuré à 30 cm du sol soit replanté en couravant dans les six mois suivant l'émission du permis de construction. Le 1560 rue des Merisiers, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale pour la création de deux lots distincts à des fins résidentielles et la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage attenant, telle que soumise par la demandeur et aux conditions suivantes: qu'une garantie financière équivalente à 5 % de la valeur totale des travaux soit exigée, que la contribution pour fin de parc soit versée en argent, et qu'un arbre également indigène à moyen déploiement d'un diamètre d'au moins 6 cm soit replanté en couravant dans les 6 mois suivant l'émission du permis, et que l'implantation projetée de la nouvelle construction sur le lot 6 601 040 respecte la conservation des 3 arbres identifiés par la division de l'aménagement urbain. Sur le boulevard de l'Ange Gardien Nord, le lot 5 937 730, il est résolu d'accepter les modifications au plan d'aménagement et d'architecture permettant la construction de 13 unités d'habitation contiguës de 2 étages avec garage, tel que soumis par le demandeur à la condition suivante: qu'une garantie financière de 32 500 $ représentant 2 500 $ par unité soit exigée afin d'assurer la réalisation des travaux. Excusez, les feuilles sont collées. Bon. Le 2631 boulevard de l'Ange Gardien Nord, il est résolu de formuler un accord de principe au projet de redéveloppement comprenant, entre autres, la création de 4 lots à des fins résidentielles afin d'y construire 3 habitations trifamiliales isolées en bordure du boulevard de l'Ange Gardien Nord et 4 habitations trifamiliales isolées en projet intégré en bordure de la rivière en y conservant la maison patrimoniale telle que soumise par le demandeur. Le 43 rue Reed, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attenant selon le modèle Le ZAC 2.0 avec la charte de couleur 7 modifiée telle que soumise par le demandeur. Le 834 rang du bas de l'Assomption Sud, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée telle que soumise par le demandeur aux conditions suivantes: qu'une garantie financière équivalente à 2 % de la valeur des travaux soit exigée, que la contribution pour fin de parc soit versée en argent, qu'une contribution aux infrastructures et équipements municipaux soit également exigée, et que l'autorisation visant la construction d'une résidence en zone agricole soit obtenue par la CPTAQ. Le 193 boulevard des Commissaires, il est résolu d'accepter l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment avec lettrage et Lego en relief et éclairé par col de cygne tel que soumis par le demandeur. Et pour terminer, le 153 rue du Portage, il est résolu d'accepter la restauration du bâtiment tel que soumis par le demandeur à la condition suivante: qu'un aménagement paysager soit réalisé devant le balcon sur l'élévation latérale droite pour dissimuler le dessus. Alors, toutes les demandes précitées sont conformes à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2023. Proposé par M. Gagnon, appuyé par Mme Renault. 9.2. C'est une demande relativement à une dérogation mineure. C'est au 8 Place Saint-Ours. C'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser à régulariser l'implantation d'un garage détaché dont la distance de terrain détachée de la ligne de terrain serait de 0,58 mètres, alors que la distance principale serait, le bâtiment principal serait 1,17 mètres. Alors, c'est une dérogation de 0,83 mètres.
Le garage détaché sera localisé en cour avant, alors que le règlement du zonage prévoit qu'un garage détaché ne peut être implanté en cour avant. Alors, ça va être proposé par Mme Méville, appuyé par Mme Martel. 9.3. Demande de démolition du bâtiment principal au 1560 rue des Merisiers. C'est d'accepter la demande de dérogation du bâtiment telle que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que les travaux de construction visant la réutilisation du site soient amorcés dans les 6 mois suivant l'émission du certificat et que les travaux de construction visant la réutilisation du site soient exécutés dans les 18 mois suivant l'émission du certificat et qu'une garantie financière soit exigée, soit 20 % de la valeur du rôle d'évaluation de l'immeuble à démolir. Proposé par M. Moreau. Mme Martel, vous appuyez. 9.4. Demande de démolition au 151 des Épinettes. C'est d'accepter la démolition du bâtiment tel que soumis par le demandeur, aux conditions que les travaux de construction soient amorcés dans les 6 mois, qu'ils soient terminés dans les 18 mois et qu'une garantie financière de 20 % de l'immeuble à démolir soit exigée. Proposé par Mme Gagnon. M. Gagnon. Mme Renaud. En 9.5, c'est une demande d'utilisation pour des fins agricoles. Oui. C'est une demande au 760 rang du bas de l'Assomption Nord. C'est considérant que l'immeuble visé est situé en zone agricole, que le bâtiment est utilisé à des fins commerciales depuis les années 80, que l'autorisation de la SPTAQ est requise pour tout changement d'usage et de nature autre qu'agricole. C'est d'appuyer la demande d'autorisation visant à obtenir une autorisation aux fins d'utilisation des fins autres que l'agriculture, soit à des fins commerciales afin d'utiliser l'immeuble existant en tant qu'entrepôt, ainsi que la salle de monde pour une compagnie de plomberie. Ce sera proposé par Mme Ayotte. M. Moreau, vous appuyez. En 9.6, dossier important, c'est une demande d'alignation pour lotissement et d'autorisation pour une fin autre qu'agricole. Ça concerne l'élargissement de la route 341 entre l'autoroute 40 jusqu'à la rivière. Donc, vous savez qu'il y a un projet d'élargissement du MTQ. Donc, nécessairement, la Ville de l'Assomption, devant ce besoin criant, appuie cette demande. Alors, ça sera proposé par M. Moreau et Mme Ayotte. On s'en va à 9.7, c'est donc le nom de la place publique au centre-ville de l'Assomption. C'est pour officialisation et hommage. Alors, considérant que Carl Tremblay était un chanteur, l'un des paroliers, membre fondateur du groupe des Cowboys Fringants, considérant la grande affectation des Québécoises et des Québécois de toutes les générations pour l'œuvre musicale de Carl Tremblay et les Cowboys Fringants, ainsi que la place unique qu'elle occupe dans notre culture commune, considérant la contribution exceptionnelle de Carl Tremblay à la chanson québécoise et à son rayonnement international, considérant l'engagement de Carl Tremblay envers les causes de l'écologie et de la justice sociale, considérant que Carl Tremblay était un membre de la communauté assomptionniste et que la Ville de l'Assomption désire lui rendre un hommage et reconnaître sa grande contribution à notre communauté. Alors, nous allons, de façon unanime, nommer la place publique Carl Tremblay. Alors, voilà. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements, ce geste, mesdames et messieurs. Ça va comme ça. En 11.1, c'est une demande de soutien et commandite pour autorisation. Alors, autoriser le versement des montants suivants à titre de commandite de 1 000 $ à l'organisation du tournoi provincial de hockey Atom Bantam du CLL, qui se déroulera au début de l'hiver 2024. Alors, ça va être proposé par Mme Martel. M. Moreau, vous appuyez. En 11.2, représentations diverses. Donc, on autorise l'achat de 2 billets de 275 $ chacun pour la soirée bénéfice de la Fondation Santé Sud de la Naudière, auquel j'ai participé. Autoriser le versement d'une aide financière de 150 $ au Chevalier de Colomb, Assemblée 2037, Curé-Lompré. Autoriser le versement des sommes suivantes aux organismes pour une aide financière guignolée de Noël 2022 à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Gérard-Magella de 1 500 $ et la même somme pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de l'Assomption et un montant de 250 $ au Cercle des fermières pour l'achat d'une courte pointe qui sera exposée à notre bibliothèque. C'est un œuvre magnifique de notre Cercle des fermières qui a été réalisé pendant la période de pandémie. Alors, elles ont tous fait dans leur résidence personnelle un petit carré de cette courte pointe qui est maintenant assemblée. Et la Ville a décidé de l'acheter pour leur rendre hommage et le rendre accessible à notre population. Ça va être exposé à la bibliothèque. Mme Méville, Mme Renaud.
11-3, récupération de pièces en brasse et inox, dont à l'arbre de la communauté. Alors, nos cols bleus, nos services techniques cumulent des métaux qui ont de la valeur pendant l'année. Puis, à la fin de l'année, bon, on va les vendre et c'est ensuite remis à l'arbre de la communauté, qui est un beau geste pour redonner aux gens qui en ont besoin pendant la période des fêtes. Alors, ça va être proposé par M. Moreau et Mme Ayotte. Félicitations à nos gens pour cette belle initiative et de faire ça toute l'année. 11.4, inscription à la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. C'est le renouvellement 2024 à la somme de 442,65 $, taxes incluses. C'est notre membership proposé par M. Gagnon et Mme Ayotte. Alors, avant de passer à la période de questions, je vais saluer les gens qui nous ont suivis sur Facebook. Je tiens à vous souhaiter de très agréables périodes des fêtes. Profitez de vos proches, de votre famille et prenez du bon temps. Merci à vous tous.